Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages hier. Damaro, ils ont arrêté ton oncle. Damaro, ils ont arrêté les Lucines et autres. Je vous ai dit et je vous ai prévenu de ce qui allait arriver. Pour d'autres, oui, ils sont choqués. Mais pour ces gens, je n'étais pas surpris parce que tout est déjà planifié. Tout est déjà planifié. Mais je vous ai dit, c'est juste question de temps. Ce qu'ils sont en train de faire, tout est déjà planifié. Leur histoire Kriev, c'est des dessins montés. Tout ça, c'est des dessins montés. Je vous ai dit, après leur histoire de CDAO, ils vont encore commencer à amener ces gens en prison. Tout est planifié. C'est-à-dire, tous les leaders qui peuvent fatiguer ou même s'opposer à ces gens-là, il faut les ramasser, il faut les prendre, les mettre en prison, c'est tout. Rien d'autre. Le monsieur, il dort même pas. Il dort pas, il gère le pays comme un bandit, comme un gangster. Regardez le Burkina, le chef de la junte là-bas. Il fait des tournées à l'intérieur du pays. Il va où il veut. Parce que le peuple, ils ont confiance en lui. Parce que l'armée burkinabé font confiance à lui. Mais là, il m'a dit, il faisait des sorties nocturnes. C'est-à-dire aller se mettre à l'aise. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas de charisme, son comportement, sa vie, comment il est. Mais dans ces 2 jours-là, souvent, il sortait clandestinement. Il sort plus maintenant. À plus forte raison, ceux qui font la démagogie. Il n'est qu'à aller à Kankan. Il n'est qu'à aller à Kankan. Il s'est dit président. Il n'est pas à l'aise. Il est prisonnier lui-même au camp. Il sort pas de Conakry. Il ne peut pas aller quelque part. Hein? Le monsieur, je vous ai dit, c'est des bandits. Le pays est pris en otage par des bandits. Il y a longtemps, très longtemps, ceux qui sont proches de ce bandit-là, c'est qu'il n'avait pas de conviction, rien. C'est ce qu'il avait voulu pour notre pays. C'est quelqu'un qui est au service de la France. C'est tout. Rien d'autre. Rien d'autre. Il n'a ni le charisme, ni le savoir-faire. Et c'est ce qu'il faut faire, détruire les élites, humilier les gens. C'est ça son boulot. Mais moi, je n'ai pas été surpris ou bien choqué parce que je savais que ça allait déjà arriver. J'avais tout dit ici. Moi, les gens, je dis, mais vous êtes en train de se fatiguer. Tant que les gens ne se lèvent pas, vous pensez qu'on va arrêter quelque chose? Ils se sentent légitimes. Ils pensent qu'il a tout. Les Soudans ou d'autres pays qui sont pires que la Guinée, eux, ils n'ont même pas pris les leaders, les mettre en prison. Mais le monsieur, il se croit, mettez les cœurs, il se croit légitime, ces bandits-là. Ils se sentent légitimes. C'est ça. C'est parce que les gens sont assis. Moloussini, Doti Ourila. Donc, au lieu que ça aille à Yéné, qu'au Djamana Yatale, qu'au Koukadiyane, qu'au Yabeke. Mais aller là-bas, à Djouya Bétaï. Mandela a été en prison. 27 ans, il est revenu, il a dirigé l'Afrique du Sud, il a laissé le pouvoir. Les Laurent Gbagbo, les grands hommes, le professeur Alpha Condé lui-même a fait la prison. Donc, les grands opposants, c'est-à-dire, des grands leaders dans ce monde sont passés par la prison. Ahmadinejad, resté en prison pour être président de l'Iran. Tous les grands leaders, mettez les cœurs, tous les grands leaders, tous les grands hommes sont passés par là-bas. Si c'est ce qu'eux, ils n'ont pas compris, que oui, ils vont faire leur constitution, éliminer les autres, c'est Dieu qui décide, ce n'est pas eux. C'est Dieu qui décide, ce n'est pas eux. C'est seulement une honte pour nous, les Guinéens, d'avoir des bandits aujourd'hui à la tête de ce pays. Je dis bien des bandits. C'est honteux pour nous aujourd'hui. C'est honteux. Le monsieur lui-même, il est prisonnier. Il n'ose pas. Il n'ose pas. Quand Alpha Yaya aujourd'hui,
Ils ne veulent pas sentir ce bandit. Les camps en Guinée aujourd'hui seront connus un peu partout. Le monsieur, c'est un gangster. C'est un gangster. Regardez comment il marche. Ce n'est qu'un gangster. Ce n'est pas un président. Il n'a ni le charisme, ni le savoir-faire. C'est juste un bandit à la tête du pays. Et puis, vous voyez leur manœuvre. Pour eux, les gens allaient se lever des soulèvements, les matotos et autres là. C'est pourquoi ils ont envoyé jusque la nuit, au beau milieu de la nuit. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. C'est pourquoi, ça fait combien de fois ils sont en train de auditionner mon oncle? Mais c'est à minuit, où il se fait tard là, qu'ils ont fait cela. N'ayez pas peur. Le moment viendra. Allah masilan. Awati nato. Mo urito watimina. Aye la koche la ye. Wallahi cheta ye. Hante aye ba yila a la limite aye bo yila maula. Wallahi cheta ye. Tout a été fait jusqu'à minuit. Vous avez vu qui travaillait jusqu'à minuit. Mais tout ça, ça a été fait, c'est calculé. Mais alternatoraï, c'est pas des hommes. Hein. Je vous dis, c'est des fiottes, c'est des peureux. Des vrais peureux. Il suffit seulement le courage des soldats patriotes. Je vous ai dit, des soldats patriotes. Courage des soldats patriotes. Parce que le peuple, les gens en ont marre. C'est-à-dire, cette fois-ci, là, quand les soldats patriotes vont se lever, c'est tout le peuple, ceux qui ont dansé pour lui, et ceux qui ont été blessés, là, c'est tout le monde qui va se lever pour acclamer les soldats patriotes. Comme lorsque les dadis sont venus. Actuellement, le monsieur, il ne vit que dans la peur. Il ne vit que dans la peur. J'ai vu certains communicants de l'UFDG jusqu'à présent. Vous n'avez pas tiré les leçons. Vous continuez toujours à vous rabaisser. Comme vous êtes content. Oui, tel a fait ça, tel a fait ça. Continuez à être dans ça. C'est ce que ces gens-là veulent. Faire plaisir ou se rentrer. Je vous ai toujours parlé. Quand je dis qu'il y a des communicants limités, bornés souvent, des gens comme les Tidjane, la puissance, il est aux États-Unis, je suis aux États-Unis. Mais quand j'ai dit un communicant bidon, bête de l'UFDG, il y a Tidjane la puissance. T'as rien compris, hein? Moi, j'ai tout dit ici. J'ai tout dit ici. Tu penses que tu sais communiquer. Mais j'ai toujours dit, toi, Tidjane, vous n'aimez même pas Seloudale. La communication, vous ne saviez pas le faire. Mais c'est quand ils vont arrêter Seloudale. Il y a aussi des communicants des autres côtés là, ils vont commencer à danser. Si vous voyez qu'il y a certains communicants ethno de notre côté, quand on parle de l'union sacrée avec certains de vos gars, on nous en veut là, c'est ça. Parce que vous ne tirez rien de leçon. Vous ne tirez rien de leçon. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans la distraction de ces gens-là. Au lieu d'évoluer, vous ne comprenez rien. La maison de votre leader a été rasée. Vous n'avez rien compris. Ah oui. On fait 11 heures d'audition à quelqu'un. Vous n'avez rien compris. Hein? Vous pensez que c'est nos gars-là, ça c'est le problème. Celui qu'on vise, celui qu'on guette, on sait que oui. Lui, ces militants-là, eux, lui n'appelle même pas. Il saute. Mais c'est quand vous allez comprendre que oui, ah, tout ce qu'on est en train de dire, c'est quand Kotosel va mettre pied et les autres là, Sidia, vous allez comprendre, ah, déjà, ce n'était pas seulement le voisin, c'est tout le monde. Non, mais comme ils veulent danser, continuez à danser. Les gens de RPG aussi, parce que c'est ce qui fait que à chaque fois, il y a quelque chose. RPG danse, UFDG danse. Parce qu'ils font ça. Donc, j'ai dit, réveillez-vous. Hein, vous n'avez absolument rien compris. Réveillez-vous toujours. Vous n'avez absolument rien compris. Dumbuya.
Dumbuya na, c'est-à-dire, il ne contrôle rien maintenant. Le monsieur, il est au palais. Il ne peut même pas sortir. On a vu la junte, le leader de la junte au Burkina sortir, faire des tournées à l'intérieur parce qu'il se sent président, parce qu'il est à l'aise. Mais un bandit, quand les bandits marchent, ils ont peur à tout moment qu'on ne tape sur eux. À tout moment. Wallah, je vous dis, c'est juste question de temps. Si Doumbouya fait, il n'a qu'à remanier l'armée comme il veut. Wallah, Inch'Allah, les soldats là. Si on n'attache pas Doumbouya, ou bien ils font, ça dit autre chose à ce gars-là, c'est que Dieu n'existe pas. Parce que ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a fait à son bienfaiteur. Ça s'est passé partout dans le monde. Des leaders qui se sont imposés comme lui, la fin de ces gens-là, ça a été fait. Ce n'est pas un roi. Il est en train de faire souffrir les gens, c'est une réalité. L'armée aujourd'hui, il est en train de bafouer la dignité. Lui, il est qui? Pour que les autres là ne se lèvent pas aussi pour le racler. Hein? Il est béni que le prophète Alpha Condé. Lui, il est béni que le prophète Alpha Condé. Quand j'entends les ethnos là parler d'Amaro, il faut changer. Lui, il est plus béni que lui. Mais restons sereins. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. C'est pourquoi moi, les gens de la famille, je les ai dit, hein, depuis hier, je dis, hey, tout ça là, c'est du cinéma. Tout est calculé. 11 h quoi? Je vous avais dit, je dis, ils vont l'amener. Je vous avais dit ça depuis longtemps. Tout est déjà calculé. Dieu aussi a tout programmé. L'homme propose, Dieu dispose. Yeah. Donc, n'en voulez même pas ceux qui font les haines là, les Tidjanes et autres là. Restez sereins. Je vous ai dit, il y a certains, ce n'est pas des communicants, c'est des gens émotionnels, ils n'ont rien dans la tête. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils apportent à leur parti politique. Il est en train de fatiguer les gens, mais pourtant lui, il envoie sa maman faire Oumoura. C'est pitoyable, hein, Doumbouya. Lui, il envoie sa maman faire Oumoura actuellement. Il est en train de faire souffrir les Guinéens, mettre la misère sur les Guinéens. Même leur délégation qui devait venir, que les assises ou quoi, les pays ont refusé de donner les visas. Les ambassades l'ont refusé, ont donné pour donner des visas. Je vous ai dit, calmez-vous seulement. Le bon moment, ça va venir. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils sont en train de. Ils sont allés pardonner CEDEAO. Pardonnez, ne nous sanctionnez pas. Venez. La CEDEAO va venir. Vous savez, l'Union européenne, les grands pays, les États-Unis, ils disent qu'ils sont derrière la CEDEAO. Toute décision que va prendre la CEDEAO, les États-Unis, l'Union européenne, ils ont déjà dit ça. On a tous entendu. Mais ils ne vont pas échapper aux sanctions. La liste, là, va être. Ils vont donner. Si vous voyez, ils font des va-et-vient à la Mecque ou, je ne sais pas, dans les autres pays, c'est parce que jusqu'à présent, la liste n'est pas donnée. Les sanctions n'ont pas été encore prises. Donc, restons sereins. En tout cas, Doumbouya, il n'a rien compris. Même s'il veut, ils n'ont qu'à mettre tous nos leaders, il l'aura encore, même si c'est Dormani Doré, si c'est Bantama Sow, on doit mettre à la tête du RPG. Vous n'avez rien réduit du RPG. Peut-être que vous allez encore venir faire un décret pour dire, vous avez du sous encore. Parce que c'est ça. Les arrestations, là, ça ne change rien au grand parti. Ça ne change rien. C'est les hommes. Vous avez compris? Vous allez tout faire. C'est comme l'UFDG. Si vous voulez encore vous attraper celui, vous le mettez en prison. Il y a les hommes qu'ils vont mettre là-bas. C'est ce que vous n'avez pas compris. Et vous voyez leur plan de, je ne sais pas, qu'il faut réduire les partis en 3 parties. Tout ça fait partie pour dire qu'ils vont détruire les grands partis. Là. Je vous dis, Doumbouya, vous allez voir les vraies limites de ce monsieur-là. Ces vraies limites, tout le monde verra bientôt. Mais restons sereins. Le président du parti a été pris ici. L'honorable Amadou Damaro, bon, c'est bien. Il vient de le prendre.
C'est-à-dire, attendre audition 11h, après avoir fait des jours d'audition, on attend jusqu'à minuit pour envoyer. C'est là que vous voyez déjà les magouilles, tout. C'est là que vous voyez combien de fois tout est... C'est des complots, quoi. Aujourd'hui, qui vous allez voir, à part les démagogues, ceux qui cherchent à manger? Hein? À part les démagogues. Donc, restons sereins. Concentrons-nous. Pas de division. Je vous ai dit, ne regardez pas. C'est à cause des communicants bêtes, là, de l'UFDG, les Tidjanes, là, que je suis sorti pour vous dire, les patriotes, à vous, Damaro, vous voyez, vous qui dites, on n'a qu'à faire l'union sacrée, on va combattre ces gens-là, vous voyez. Mais, si vous vous fiez à ça, vous faites plaisir à Doumbouya. C'est ça leur jeu. Les Tidjanes là sont, ah, ils ont fait ça, vous avez fait ça à nos gens, c'est rentré, c'est sorti. Non. Et demain encore, ils vont arrêter ces loups ou autres. Nous, on va dire, on va essayer de danser. Non, ce n'est pas ça la solution. Si on doit être opposé, si nous devons être opposés à quelqu'un, c'est pendant l'élection. Les partis politiques, c'est pendant l'élection. Ce n'est pas pendant la transition là que nous devons nous opposer à l'UFDG, à UFR, aux autres. Non. Pendant, je dis bien, pendant l'élection. Pendant l'élection.